Ce qui vient à toi dans les prochains jours, à partir du moment où tu vois cette vidéo. Hop là. De la communication. Les mots vont enfin se délier. T'as l'intuition, hein. Ton intuition te pousse justement à continuer à espérer qu'il y a une reprise de communication avec une personne. T'es plutôt en ce moment en équilibre, on sent que les énergies sont plutôt assez, je dirais, positives mais assez stables. Il y a eu une grosse période d'épreuves, une grosse période d'obstacles où ça y est, enfin les choses sont apaisées, les choses sont plus douces. Il y a plus d'espace pour tes pensées positives, il y a plus d'espace pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça a été fait, hein. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices quand même. Et justement, parce que tu étais dans ce que j'appellerais une sorte d'étau, plus tu étais dans le sacrifice, plus tu te sentais renfermé, écrasé. Et en fait, il a fallu absolument que tu trouves la possibilité de, pardon, de sortir justement de cette forme de sacrifice aux autres pour pouvoir en fait renaître, pour pouvoir laisser vraiment derrière toi ce côté sacrifice. Ça t'a pourri l'existence, véritablement. Tu t'es clairement oublié, tu as pris des décisions qui n'étaient plus à l'encontre, qui étaient à l'encontre de ce que tu pouvais penser. Et surtout, c'était en lien avec une personne que tu n'oubliais pas. Une personne qui était toujours dans tes pensées et tu pouvais te plier en 15 dès que cette personne réapparaissait dans ta vie et que clairement, malgré tout ce que tu mettais en place, tu étais toujours sur cette forme d'isolement, d'incompréhension, très seule en fait, seule avec toi-même, à te poser 20 000 questions. Pourtant, j'ai tout fait, j'ai accepté l'inacceptable, j'ai répondu à n'importe quelle heure, t'as trop donné en fait, t'as trop donné de toi, t'as trop donné et en fait, tu t'es tout le temps mis dans cette forme de sacrifice. Et parce que tu n'arrivais pas à en sortir et peut-être que tu ne souhaitais pas le faire, on t'a en fait mis dans cette sorte d'étau qui a fait qu'à un moment donné, ben, on ne peut plus, quoi, quand on n'arrive plus à respirer, quand on est compressé de partout, humainement, ben, on va sortir justement de cette situation inextricable. Et c'est clairement ce que tu es en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on sent beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'équilibre. Mais il t'a fallu combien de temps? Il a vraiment fallu que tu te fasses vraiment mal pour comprendre ça. Et on voit, hein, il y a bien cet homme qui est tout le temps là, mais tu n'as plus envie, ça y est, le sacrifice, c'est derrière toi. Tu es beaucoup plus légère dans tes pensées, tu es beaucoup plus en lâcher prise. Il revient, tant mieux. Il ne revient pas, c'est tant mieux aussi. Et en fait, on n'oublie pas qu'à ta coupe, il y a une communication. Déjà, je pense que c'est une communication plus fluide avec toi-même. Je le pense, je le dis et je le fais. C'est pas lâcher prise, c'est surtout faire vœu de résilience, c'est être, c'est prendre conscience que ta priorité, c'est toi. Pour pouvoir au mieux aider les autres, tu dois être bien déjà dans tes baskets, bien avec toi-même. Si toi, tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne pourras jamais aider les autres au maximum parce que tu leur donneras ce que tu pourras en fait. Aider les autres n'est pas du sacrifice. C'est comment je peux t'apporter mon aide sans que j'en sois véritablement impactée. Je prendrai des décisions qui seront demain en accord avec moi, même aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Mais ouais. Et en fait, tu as aussi très bien compris que cette personne que tu n'arrivais pas à oublier t'a dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle avait besoin de comprendre, qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus dans quelle direction aller et qu'elle avait besoin justement de cet espace, de cette distance, mais aussi parfois justement de silence. Ça t'a vraiment mis dans un inconfort. Et encore, je trouve que le mot est faible comparé à tout ce que tu as vécu ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Mais ça, c'est passé. On est vraiment sur... Ça y est, je suis sur une nouvelle énergie. J'ose enfin... Ouais, écoute, j'ose enfin avancer pour moi. Et parce que tu avances pour toi. En fait, comprends que surtout si tu es en relation sacrée, lâcher prise et prendre soin de toi amènera le pardon et le retour. Je ne peux pas te l'expliquer
Dans une autre langue, c'est tu ne le comprends pas. Mais en tout cas, pour ceux qui parlent le même langage que moi, j'ai envie de te dire que parce que tu trouves ton équilibre, parce que tu as lâché prise, parce que tu as accepté ce chemin qui est le tien, tu amènes à toi le retour de cette personne, même si ce n'est pas quelque chose que tu as fait dans ce sens. Parce qu'énergétiquement, vous êtes des vases communicants. N'oublie pas la carte de communication, c'est vous êtes des vases communicants. J'ai pas d'autre mot. Parce que tu acceptes, il revient. Parce que tu lâches prise, parce que tu ne te mets plus dans le sacrifice pour lui, il revient. Tu as enfin compris la direction que tu devais prendre.